Ça, c'est de la laine de mouton d'Ouessant, les moutons que j'élève. Et j'ai ramené aussi de la laine de mouton de Vendéen pour pouvoir comparer le mouton noir gris et le mouton blanc basique. L'éco-pâturage, c'est l'entretien des espaces verts par des animaux herbivores. Donc on peut le faire dans les jardins, chez des particuliers, les communes, les EHPAD, les écoles, tout ce qui est centre social, voilà. Grâce aux animaux, en fait, ça va réapporter de la biodiversité sur les terrains. Il y a moins de pollution. Je nourris mes bêtes, je leur donne à boire. J'emmène mes chèvres tous les matins sur le terrain. Je démarche des clients et je fais aussi des animations auprès des écoles, EHPAD, etc. Mon projet, c'est de monter une ferme pédagogique pour pouvoir faire des spectacles et surtout présenter la vie à la ferme. Je me suis beaucoup fait aider par mes proches pour pouvoir me lancer et je voulais avoir ma petite entreprise à moi. Je trouve ça chouette d'être auprès des animaux et d'avoir aussi le côté social. C'est ce qui me fait vibrer, quoi.